Allons-y. Capsule de Steam, ce sera utile. Il n'y a que la force. La route est bloquée. Allez, on reviendra plus tard. J'ai besoin de toi, Amélie. Pas cette fois. On va le trouver. Soyons prêts. T'aurais pas dû venir ici. On va se battre ensemble. Je doute que Ceres s'attendait à ce que je m'en serve comme ça.
des Stormtroopers partout. On doit faire attention, mon pote. J'en ai marre de cet endroit. C'est tout bon. Alors me voilà.
content de te voir. On t'emmène ? J'ai parlé trop vite. Je m'occupe de l'inquisitrice. Surveillez mes arrières. Ok. Il faut la faire sortir d'ici. Impressionnant! Mais tu souffres au fond de ton être, Kestis. Je peux le sentir. Tu culpabilises d'avoir mené tous ces imbéciles droit à leur perte. Tu es tellement, tellement prévisible. Médée, j'ai besoin d'aide. Oh, ça va me plaire. Tu étais un chevalier Jedi, avant de trahir notre ordre. Ton nom était Massana Tide. Il est temps de te libérer.
J'ai besoin de ton aide. Ah, j'aime mieux ça. Je dois me recentrer. Il faut bouger. Baude, bravo. Vous êtes là? Retournons au Mantis. Si les autres s'en sont sortis, ils nous rejoindront au hangar. Sinon... Le hangar est proche. Un autre éclat.
que vous êtes vivant. Grâce à cet arrêt de fils de Gundark. T'es blessé? Ça va aller. Où est passée l'inquisitrice? Elle est morte. Mais Gabs... et les jumeaux... j'aurais dû... Ils étaient au courant des risques. Il faut rejoindre la surface et informer Saw Gerrera. C'est comme ça qu'on leur rendra honneur. Oui. Bon, BD, appelle les vaisseaux. Bon sang. Bon, c'est pas le genre d'accueil que j'espérais, ça. Bravo. Tu peux surveiller? Ça marche. Super. Je vais faire diversion. Toi, tu tires quand ils te regardent plus. Il est temps de payer l'addition. À plus tard, le ferrailleur. Sur nos arrières, extermine-les. Aude. Joli tir. Montre-moi une cible. Voilà le hangar. J'espère que le Mantis est en un seul morceau. On va devoir se battre. Jamais dû t'en prendre à nous. Z95? Pas mal. Celui-là est pour toi, Baud. J'avais bien senti que ce serait tendu. On se retrouve dans les airs. Prêt. C'était super pour un premier encart, mais j'attends encore ma paye.
Une balise de localisation? L'autre est sur le Mantis. Quand ce sera plus calme, viens me retrouver. On discutera. Ouais, je te fais confiance. T'as vu ces infos? Il reste encore beaucoup à faire. Ça se profile bien pour moi, hein, BD? Hey, Baud! Que la force soit avec toi. T'es un bon combattant, Cal. Voyons si tu voles aussi bien. On est bon, BD? Oh. Quoi que ce soit, ça devra attendre qu'on soit en lieu sûr. On dirait que ce portail est en maintenance. Dès qu'on atteint la surface, on passe en vitesse lumière. Faut prendre le risque. On s'est suffisamment attardé comme ça. On a de la compagnie. À mon signal, on freine. On passe derrière eux. Bien reçu, bravo. Beau travail, tout le monde. J'espère que c'était le dernier. J'aime pas m'éterniser. Il y en a d'autres. Je me détache, je vais en distraire quelques-uns. Merci, Baud. Bonne chance. À toi aussi, Cal. On se voit plus tard. On peut aussi faire comme ça. C'est toi qui m'as appris ça. La sortie, on y est presque. Il y en a d'autres qui arrivent de la surface. Et derrière nous, on les piégés. On a un peu morflé. Tu lances un diagnostic pendant que je transmets les infos? Envoyé. Pourvu que ces infos soient utiles. On a réussi. Hé, BD, t'es en train de faire un holofilm? Faut que j'ai l'air cool, Doc. Tu me filmes sous mon meilleur angle, j'espère. Mets pas tes pieds sur la table. Eh bien, c'est ce que nous espérions. Ce livre est une copie qui provient des archives Jedi. C'est génial, Serré. J'aurais aimé qu'on empêche l'Empire de s'emparer du reste. Patience. On ne gagnera pas cette guerre de sitôt. Et pas tout seul. La galaxie est vaste, droïde. Et je n'ai vu qu'une infime partie de ce qu'elle a à offrir. Mais un jour,
je retournerai sur Datomia. Et je murmurerai ce que j'ai appris à mes sœurs en sommeil. Tu n'es pas invité. Tu sais que c'est pas tous les jours que je sors mes vieilles recettes de famille. Alors, t'en penses quoi ? Meryl ? C'est bon. Mais tu pourrais mettre plus de sel. Trop de sel, c'est mauvais pour la santé. C'est super, Grise. Je serais prêt à payer pour manger ça. Vraiment ? Je vais peut-être te prendre au mot, Cal. Gate, vous trouvez pas que ça sent le brûlé ? Le gyro marche plus. On en a besoin. Oh. Il y a des stations dans le coin où on risque pas de se faire dénoncer ? Oh. Évidemment. Fais voir le système Kobo. Alors c'était ça ta planque ? En plein milieu de nulle part. Un bon endroit pour se faire oublier. Et si quelqu'un peut rafistoler le Mantis, c'est bien Gris Dritus. Tu crois que c'est jouable ? On devrait ranger un peu avant d'aller voir Gris. Tu sais qu'il est un peu maniaque. On va remettre ça sur l'établi. Mon équipement n'est plus à jour. Ça me convient très bien. On y est presque. Bon, allons dans le cockpit. Je l'ai pas utilisé depuis la décharge sur Braca. C'était un cadeau de prof. La boîte à outils de Cordova sur Bogano. Ses affaires doivent toujours être là, à attendre. Cette plume d'oiseau chiot est censée porter chance. C'est la salière de Grise. Mais où j'ai mis le poivre ?
Chaque jour, je me demande si j'ai fait le bon choix. On va se poser. Les systèmes tombent tous en panne. T'as quelque chose ? Redémarrage des moteurs. Bien joué, Petit. Jamais le hangar. Il faut qu'on se pose. Accroche-toi, BD. Complètement grillé. Sans réparation, on redécollera jamais. Alors, on est là, et ça, ça doit être l'avant-poste. J'imagine qu'on va enfin découvrir la cantina de Grise. Ok. Bon, allez, viens.